Écoute, il aurait une fracture ouverte. Il y aurait, je sais pas comment on dit. Ils l'ont un peu arrangé, là, il est en observation. Voilà. Mais il s'est fait ça tout seul, et avec le terrain en plantant le pied. Je sais pas exactement, je ne l'ai pas vu, malheureusement, il est parti, mais. Ouais. Oui, bah après on a pensé beaucoup à lui, après ça n'a pas été facile, voilà. Après les 4 minutes qui restent, à un moment tu es un peu moins dedans et tu dois faire changement, et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut penser à lui, puis après le reste c'était pas mal. Ouais, mais même Amad avait pris un coup là sur. Il a un 9 et dès qu'il commençait à plus y voir, donc on savait qu'il tiendrait pas beaucoup en deuxième mi-temps, mais bon, là sur l'action, sur le coup, il fallait le faire. Après, on se prend quand même sur une contre-attaque. Mais après, voilà, c'est un peu normal, voilà. Pendant ces 4-5 minutes, mentalement, tu es un peu ailleurs et quand tu as une très bonne équipe, tu le pécages. Écoutez, je pense pour un premier match, pour nous déjà, de notre côté, bah c'est la première fois je crois qu'on prend des points contre la CA, donc ça c'est bien. Après, des deux côtés, on a eu l'opportunité, mais je pense que dans l'ensemble, on est arrivé à faire le match qu'on voulait faire, en se créant des occasions, mais contre une très très belle équipe, donc c'était pas évident, et voilà, on est bien, ça va. Ouais, on a des petits problèmes de concentration sur les coups de pied arrêtés joués vite. Donc ça, c'est un peu récurrent, il faut le régler. Et donc c'était de se reconcentrer, parce que ça nous est arrivé pendant les matchs amicaux. Et avec des bons joueurs en face et des bons tireurs de coups francs, il faut vite se placer et vite se remettre dedans. Donc après, je pense que les deux équipes ont eu l'opportunité. Lionel, sur son erreur, il récupère une super action. Après, on a eu aussi l'occasion quelques opportunités. Et je pense qu'on peut mieux jouer la dernière, mais bon, après, dans l'ensemble, arriver à faire un partout ici, c'est pas mal. Surtout au vu de la deuxième mi-temps, il y a deux grosses occasions d'Ajaccio. Ouais, surtout celle où Lio sort et le terrain, a priori, a un mauvais rebond et il ne peut pas prendre le ballon. Donc après, il prend bien le ballon. Après, sur la frappe croisée, je le vois tellement jamais prendre de but là-dessus que j'espère qu'il continuera. Donc j'étais moins inquiet, mais après, voilà, c'est un top gardien. Il récupère sa petite erreur et voilà, c'est assez bien. Non, 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 c'était plus nous, un moment, dire une bêtise sur l'action. Je pense que les joueurs, mentalement, quand tu vois ton pote avec la cheville, pareil qu'il y avait une boule qui était remontée complètement, voilà, tu dis une bêtise, après c'était chaud, ça a duré 3 minutes, après c'est fini, quoi. Ça s'est très bien passé en deuxième mi-temps. Ouais. Mais bon, après, sur le coup, il faut aussi comprendre les joueurs de tes joueurs quand ils voient ça, et c'est pas évident à le vivre et à voir. Donc voilà, la réaction, après, ça s'est vite fini, quoi. Merci à vous.